Sarreguemines qui s'est incliné sur le score de 3-0 face à Gandrange. Avec moi, c'est Jamel Ferjani. Jamel, un premier mot sur cette rencontre. Beaucoup de déception parce que le club avait fait en sorte de faire bien les choses. Il y avait des supporters, il y avait des partenaires et dernier match de la saison, on voulait finir par une bonne note. Malheureusement, il nous a manqué pas mal d'énergie et aussi certaines qualités techniques qui, à ce niveau-là, nous font défaut actuellement. Alors, on va mettre un peu ce match de côté. Il y aura eu des très bons moments durant cette saison au Sarreguemines Football club que tu as découvert en cours de saison. Il y a eu des moments plus difficiles. Quel est ton regard globalement sur la saison du SFC? C'est une saison contrastée avec la capacité de pouvoir faire des très gros matchs, mais aussi la capacité de passer à côté, comme ce fut le cas aujourd'hui, avec un effectif réduit quantitativement, très hétérogène, des joueurs qui ont un niveau de National 3 et puis d'autres qui découvrent la R1, qui ont joué qu'une année en R3. Donc et à partir du moment où on a été touché un petit peu sur des blessures ou des suspensions, ça a directement eu un effet immédiat sur le terrain. Et ça nous a obligés à tirer beaucoup sur un certain nombre de joueurs qui aujourd'hui sont vraiment fatigués physiquement et moralement.